Bonsoir, très cher public. J'invite le président de l'Argento Varia à prendre la parole. Chers amis de la musique, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que l'Harmonie Argento Varia vous présente son traditionnel concert du Nouvel An. Au nom de tous les musiciens et bénévoles de l'association, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Cette année marque pour notre orchestre son 110e anniversaire. C'est donc avec beaucoup de joie que nous partageons ce premier moment musical avec vous. Nous aurons d'autres occasions de fêter cet événement, notamment lors de notre concert de printemps spécial anniversaire les 6 et 7 mai. Mais d'abord, pour ce concert, vous découvrirez les œuvres que les musiciens ont préparées durant les 4 derniers mois grâce à l'énergie et la motivation de notre très cher directeur, Philippe Beugler. Il a sélectionné des pièces dans lesquelles, vous le verrez, y mettre tout son cœur. J'aimerais adresser une pensée particulière à tous les musiciens qui, pour des raisons diverses, ne peuvent malheureusement pas être sur scène aujourd'hui. Depuis quelques années, notre harmonie a tissé des liens d'amitié avec l'harmonie Concordia de Sainte-Croix-aux-Mines et nous accueillons certains de leurs musiciens avec grand plaisir. De plus, cette année, nous accueillons des renforts de l'harmonie de Saint-Hippolyte. Merci à Marie-Cécile et Pascal d'être venus renforcer nos rangs de flûte et de trombone. Merci également aux professeurs Alexandra au hautbois et Philippe au tuba de renforcer nos rangs chaque année. Un grand merci à tous ceux qui œuvrent à la bonne organisation de cette soirée. J'aimerais en particulier remercier Christine pour la gestion des réservations, Karine pour la présentation des morceaux, et aussi ceux que vous ne voyez pas dans l'ombre, Hubert à la régie vidéo, Sylvain à la régie lumière, Adrien à la régie son, Manu à la poursuite, Anne pour les photos et Nadine pour notre relais avec la presse. Je ne peux malheureusement pas citer tout le monde, je les prie de bien vouloir m'excuser. Je sais qu'ils se reconnaîtront. Sans le temps qu'ils offrent, il n'y aurait pas de concert sous cette forme. Merci de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Nous sommes heureux de la présence ce soir de Monsieur le maire de Orbourvire, Thierry Stemner, accompagné de nombreux adjoints et conseillers municipaux. J'en profite pour remercier la municipalité de Orbourvire pour son soutien continu depuis des années, tant financier que logistique. C'est grâce à elle que nous pouvons organiser ce concert. Nous sommes également très honorés par la présence de Madame la députée Brigitte Klinkert, Monsieur le sénateur, qui n'est malheureusement excusé, Ludovic Hay, Monsieur le président de la communauté d'agglomération et maire de Colmar, Éric Stroman, Mesdames les conseillères régionales Christelle Léry et Gilles Copper et Sattaler, Messieurs les maires de Sundhofen, Jean-Marc Schuller, et maire de Munzenheim, Marc Boucher, qui est également accompagné de plusieurs conseillers de la communauté de communes du pays du Rhin-Brun. Nous sommes également heureux d'avoir parmi nous de nombreux présidents et membres d'associations culturelles de la commune de Orbourvire. Je tiens particulièrement à remercier la chorale Sainte-Cécile, qui est venue en très grand nombre ce soir, pour nous avoir généreusement prêté leur piano que vous aurez l'occasion d'entendre plus tard. Merci à Sylvain de la boutique Fleury pour les arrangements floraux et à Stéphane Keller pour le don des sapins qui décorent notre scène. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous, cher public, de vous être déplacés si nombreux. Vous trouverez à l'entrée de la salle un livre d'or, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à y noter vos retours attentionnés. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023 et un harmonieux moment en notre compagnie. Merci. Vous venez d'entendre, pour débuter notre beau concert, Jupiter Hymne. Cette œuvre classique du XXe siècle est un arrangement extrait de la suite symphonique en 7 mouvements intitulé « Les planètes ». Gustav Holst, compositeur anglais, s'inspire de notre système solaire lorsqu'il crée cette suite donnant à chacun des mouvements
sa propre couleur, selon qu'il s'agisse de Mars-Vénus, Mercure-Jupiter, Saturne-Uranus et Neptune. Johan de Mege, chef d'orchestre néerlandais, a réalisé un arrangement brillant du quatrième mouvement, Jupiter, celui qui apporte la gaieté. Notre concert se poursuit par un voyage cinématographique. Roll Tide est une œuvre écrite par le célèbre compositeur Hans Zimmer. Elle a été composée en 1995 pour le film américain USS Alabama, réalisé par Tony Scott. Ce film se déroule pendant une période de troubles politiques en Russie, au cours de laquelle des ultranationalistes menacent de lancer des missiles nucléaires sur les États-Unis et le Japon. La musique Roll Tide a remporté un Grammy Award. Ce soir, sous la direction de Philippe Beugler, voici Roll Tide. Thank you.
Laissez-vous entraîner maintenant par la musique klezmer. Shirim, mot hébreu, signifiant chanson, est une rhapsodie klezmer qui illustre à la perfection la diversité et la richesse de la musique traditionnelle juive. Shirim est une œuvre écrite en 1998 par le compositeur flamand Piet Swerts. Après une ouverture sombre et mystérieuse, il introduit plusieurs mélodies mélancoliques aux couleurs orientales dont l'air sémératique. Piet Swerts réussit à créer ainsi un espace sonore orchestral intrigant et créatif. Shirim poursuit son développement sur une succession de pièces très enlevées et particulièrement colorées qui mènent l'œuvre vers un final pétillant et éclatant.
Perfect est une ballade de l'auteur, compositeur, interprète britannique Ed Sheeran. En avril 2018, le clip dépasse le milliard de vues sur YouTube. Cette chanson a été reprise en duo avec Andrea Bocelli sous le titre de Perfect Symphony. Ce morceau met en scène des retrouvailles entre deux amis d'enfance qui s'étaient aimés, mais trop jeunes à l'époque pour comprendre ce qui les liait pour vivre leur passion ensemble. Laissez-vous emporter ce soir par ce magnifique chant d'amour et, comme toujours, avec la voix envoûtante de notre ténor Valentin Corrado qui saura vous faire vibrer. Sussurrando detto tu.
Le morceau que l'Argento Varia vous interprète maintenant clôt notre première partie. Soul Bossa Nova est une œuvre instrumentale populaire composée et interprétée en 1962 par le célèbre musicien Quincy Jones. Cette mélodie, fort connue de tous, a été utilisée à de maintes reprises, notamment dans une chanson de Nino Ferré en 1969 appelée Les Cornichons. Dans la trilogie de films Austin Powers, qui débuta en 1997, et plus récemment pour la publicité d'une assurance dont je tairai le nom, mais que les Français préfèrent. Alors, place à un autre style de musique, bien plus enlevé, interprété par l'Argento Varia, sous la baguette de notre Quincy Jones régional, Philippe Beugler. Thank you.
Mesdames et messieurs, bien cher public, nous vous proposons une pause d'une demi-heure afin de vous décontracter un petit peu et de vous restaurer à notre bar situé au fond de la salle. À très bientôt.